Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a le petit Pat Sabaku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour continuer la série Road to Top 1000 les gars. Du coup cette série on va le faire avec ce petit deck cimetière poison les gars, le cimetière poison qui revient dans la méta. Voilà, j'ai voulu le tester parce que c'est un ancien deck que j'aimais énormément. Et puis voilà, donc je voulais le tester et simplement dans l'épisode de Road to Top 1000. Donc on va faire 3 games comme dans tous les épisodes. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Allez, on est parti sur cette première game du coup. Ok, je pense qu'on va commencer par Cyclone Snowball, tranquille. Ok, je pense qu'on va poser la cabane, il joue rien, donc on pose la cabane, ça va sûrement être un tank, genre Moloz, Golem, ouh. Ok, c'est sûrement, alors là c'est deux possibilités, ballon gel ou cimetière gel. Cimetière gel ça m'arrangerait, ballon gel ça m'arrange absolument pas. Et là j'ai pas une main de départ pour défendre le bouliste en fait, genre. Je vais mettre des barbares sur un bouliste genre. Ouais, j'ai fait le pire placement, oh là là c'est terrible. J'ai fait un placement de type éclaté au sol. Ok, c'est du ballon. On va faire comme ça. Ouais, les gobelins qui gèrent. Ouais, ok, là, on va peut mettre le chasseur. Allez, chasseur. Chasseur, gros. Oh, putain, chasseur, il sert à rien. Terrible. Terrible, terrible. Hop, on va mettre petite cabane. Ok, il met un dragon électrique, on va mettre la mamie ici, hop. Ok, elle a bien joué. Est-ce qu'il y a moyen que ça le tue? Ouais, nickel, c'est un petit Hadlouf. Nickel, le Tyrannouf qui passe devant, il va devoir défendre. Ok, il a atteint un gobelin, ça c'est tant mieux. Ouh, ça va un petit peu gratter. On dit pas non. Là, on va pas... Je pense qu'on va que... Non, on va pas cimetière, on va pas cimetière. Et là, le problème, c'est que je sais pas comment défendre son D2, j'ai rien en fait. Bah là je pars quoi? Je pars genre cimetière? Comme ça? Je sais pas trop comment partir j'avoue. Je pense que je vais poison hein. Ça me paraît un peu forcé mais vas-y tant pis en vrai. Ah ouais on a des très bons dommages hein. Ok là on va mettre le chasseur je pense. On va mettre la mamie d'abord. Hop. Ok là on va mettre bien la cabane là. Ok la mamie qui va bien, qui va commencer à gratter sur le ballon. Là il va devoir obliger. Ah bah j'ai le pas, tant mieux. Ok là c'est pas mal, là on va avoir les petits cochons en contre-attaque, on peut aller cimetière. On a un très joli poison ici, hein. On a un très beau poison. Hop, petit poison des familles. On peut même peut-être aller mettre une snowball, je pense peut-être un peu forcé. Ça prend un tour, ouais ça prend pas un tour, ça c'est terrible ça. Ah ouais, ça, là c'est la merde là. Ok je vais mettre le chasseur là, tôt. Là on va mettre ça très tôt, ça là ça a tué une caisse, c'est ce que je voulais. Normalement on va prendre un coup mais c'est pas grave. Non, 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 le ballon c'est... Tout va bien, on peut aller cimetière YOLO, on va aller mettre un poison bien évidemment. Avec... bah, on va juste défendre là je pense, sinon le poison qui vient tôt. Et on va aller prendre cette première victoire les gars, contre le frérot Antonio.
Ok, c'est parti les gars, deuxième game. Juste regarder son profil avant parce que j'ai regardé les profils à chaque fois. Ça peut être intéressant pour voir s'il y a des mecs qui sont bons ou pas. Voilà, on est assez bas donc ça devrait aller, tu vois, mais vas-y, on voit. Ok, deuxième game contre machin. Stylé. Ok, on a la petite cabane de gobelin ici, tranquillement. Ok, mais squelette, on a la mamie. Ça c'est vraiment cool. La mamie qui va se faire plaisir là. Ok, Mordor Prince, très bien. Je pense que je vais les protéger. Non, je vais pas les protéger, la mamie, c'est inutile. Alors là, la mamie va faire son taf. Hein. La mamie qui va faire son taf, je crois que. Ça va, dommage. On va quand même protéger ma cabane. Hop, tranquillement. Ok, là on va les poisons. Hop, petit poison. La cabane qui grimpe bien à droite. Hein. Normalement le poison tue la mousquetaire si je dis pas de la merde, voilà c'est ça exactement. Là on grimpe plutôt bien, on va aller mettre une petite snowball ici sur les gargouilles. Les gobelins qui ont bien gratté à droite hein. Ok alors là on va mettre les barbares. Bah là on va mettre la mamie du coup. Hop. Ouais normalement ça défend, ça va défendre plutôt tranquillement. Et on va avoir une plutôt bonne contre-attaque je pense. Avec les gargouilles et tout. Ouais je pense que là ça va le faire. Je pense que je vais cimetière de ce côté. Je pense que ça va être intéressant parce qu'on a quand même le. On a quand même un Dark Prince, mais on a quand même le chevalier derrière qui va aller tanker. Alors dommage que c'est un ami qui tank. Là on a le snowball pour hop tout ce qu'il y a derrière. Et normalement là on devrait aller prendre la tour je pense. Alors, on va aller prendre la tour. Ça c'est une évidence. Et ça c'est cool. Bon du coup on a égalisé au niveau des dégâts, genre tour... moi ça ma tour de gauche et lui sa tour de gauche du coup. Et du coup on est égal et j'ai pris une tour, donc j'ai une tour d'avance en gros. Oh, je suis emballé les pinceaux pour rien quoi. Du coup ouais c'est cool. On va reposer la cabane tranquillement. Ok on a le poison hein, faut pas oublier qu'on a le poison, on a mani poison, donc là on a un excellent match-up. Une fois je ne plains pas du match-up. Ok là on va les poisons. Hop. Petit poison. Il a mis les gargouilles en poison, ça m'arrange. J'avoue, ok là bon il a fait sa spéciale. On met les barbares. On met de la mamie aussi. Parce que je sais qu'il y a une boule de feu je pense. Enfin je m'en doute qu'il y a une boule de feu. Ok là ça le met dans la sauce. Enfin, là, il va pousser une cabane je pense. Là on a une très bonne contre-attaque à gauche. Hein. Attention, là on peut les poser en modulo un peu. De tout ce qui arrive, voilà. Ok là on a un très bon truc. La mamie qui fait spawn des... ok, ah non, il a mis le géant, ok, en mode comme ça, ok. Je vois. On met les barbares, on met la snowball, et normalement ça devrait être une win encore. Deuxième game de win, hein. ça fait plaisir, ça. On repose une cabane en mode rose. Là, on l'a détruit, littéralement, on l'a détruit. On l'a détruit, lui, il a pas dû comprendre ce qui s'est passé. Bon, j'avais un Heart Hunter, hein, clairement, Là j'avais un scooter au frérot, du coup ça c'est nous ce qui donne le smile pour une fois, j'ai un bon match-up sur quelqu'un, c'est cool. Allez on passe sur cette dernière game contre Press to Play. Ok bon, on a encore notre cabane, ça c'est vraiment cool. Là on a des belles mains de départ, c'est cool. Là on a pas mal de réussites, c'est sympa. Là le jeu est fun à jouer genre. Ok MG, je pense que je vais poser la mif au map. Oh Nightwitch, oh du golem. Golem, je suis pas sûr, hein. Je sais pas le match-up golem. En vrai ça je pense que si, parce que j'ai la mamie qui va faire je pense un taf énorme genre. Qui va faire spawn 750 milliards de cochons. Bah il est obligé de foutre la mamie hein. On peut aller chasseur. Moi ce qui me fait un peu chier c'est qu'on a pas le. C'est bon, on a le chevalier là pour aller tanker. Oh ouais. Ah ça c'est un peu chiant. On a les gobelins derrière, je pense qu'on va poser une cabane dès qu'on a 10. Il est obligé de défendre, hein. Évidemment qu'il est obligé de défendre. Wouah, le Dark Prince, gros. Oh, il se fait déglingue. Wesh, le Dark Prince, il a disparu, gros. C'est vrai qu'il y a un autre gobelin qui spawn genre tout de suite maintenant, là. Apparemment, la cabane qui prend pas de dégâts, lui. On a une cabane full life, ça c'est cool. Les gobelins qui m'ont chiant, hein. Ils m'ont gratté à l'infini. Là, le problème, c'est que j'ai rien pour aller. Là, j'ai racine ma golem, mais là, je fais quoi, là? Je défends. Alors, moi, je vais tenter un truc. Je suis pas sûr que ça va venir de Solus, mais vas-y, on va tenter quand même. Ah, snowball, il va nous laisser la tour, ça c'est cool. Sachant qu'on a un très bon contre-push derrière. Attention contre-push.
Ok, on aide le chasseur au pont. Ok, on va aller snowball. Voilà, vraiment le chasseur qui fait... Oh, le chasseur qui fait son taf, hein. Là, le chasseur qui fait clairement son taf. Là, on peut lui mettre une petite mamie ici. Aller protéger le petit gobelin. Il reste en vie depuis 40 milliards d'années. Et là, le problème, c'est que... Bah, je voulais mettre un chevalier, je prends trop cher, sinon. Hop. On a mis énormément de dégâts autour du roi. Là, on peut aller mettre un poison, je pense. J'attends un petit peu à mettre le poison, je pense. Ok, bon, on va le mettre, par contre. Abuse pas, frérot. Abuse pas du bail. Bah, je pense que je vais aller à snowball et la sorcière, parce qu'elle sait absolument qu'elle meurt. Là, on va aller, je pense, le chasseur, ça. Ah, ça, c'est relou, ça. Ok, attendez, on va aller mamie. On va mettre le cheche là. On va mettre le poison là-dedans. Je pense que c'est pas mal là, on a un bon truc là. Ok, là on peut aller mettre le chasseur sur le bébé dragon. Hop, voilà, nickel. La défense qui me paraît être plutôt clean, je pense. La défense qui est quand même pas mal. Et là, dans tous les cas, bah, même s'il fout, ça change absolument rien pour moi. On a le petit cochon qui va aller défendre le barbare. J'ai mis la pire snowball de tous les temps. Ok, la chevalier, là on peut mettre un petit poison, et il va pas pouvoir aller, ah il va terminer la tour, très bien. Mais je pense qu'on va aller 3 couronnes, pas tout de suite, pas sur ce push, alors là faut faire gaffe par contre à la défense. Là ça c'est une fait un peu peur j'avoue. Ok, on va aller mettre une mamie ici. Bon, il en a rien à foutre, ok. Ok, on va aller mettre une petite cabane là. Besoin d'un petit peu de Dark Fancy Connect, on va aller mettre des barbares. Ah non, la défense qui se passe sans trop de problème, hein. Je vois pas où il y aurait de problème. On a une défense plutôt solide au mid. Là on peut repartir en cimetière par contre. Hop. Bah là il tente le tout pour le tout, hein. Ça ne passera pas, mais il tente le tout pour le tout. Et je pense qu'on va aller prendre cette dernière game contre un petit golem, les gars, contre Pre-Souplay, ça fait vraiment plaisir. Alors, là de battre un petit Lemgo là. On voit que la surface de nuit c'est quand même beaucoup moins fort qu'avant. On va pas se le cacher, c'est bien éclaté au sol. Du coup c'est cool, on passe au 6K5, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à commenter d'ailleurs, hashtag golem. Et c'est vrai coup, ciao bye.